Bonsoir, bonjour, comment ça va Écoute-moi, ça va extrêmement bien. C'est fini les revues de Pods. C'est fini. On reprend les bonnes vieilles vidéos à l'ancienne. Aujourd'hui, je vais te parler d'un tube méca. Ouais, méca J'avais envie, tiens. Euh, que j'ai acheté, que j'ai acheté parce que euh, j'aime bien le tube pur, j'aime bien l'exome. Euh, mais il me refallait un tube en 21700. Je ne sais pas pourquoi j'avais ma. Euh, mon moment de tube et du coup je suis parti sur le Make Life euh, Arcless de chez Ambition Vapeur qui est un YouTuber américain euh, pourquoi celui-ci pourquoi pas un autre alors je vous avoue sur Instagram euh, si vous me suivez pas sur Insta bah c'est en description euh, je vous avais mis un, un comment un, un questionnaire euh, maximum je voulais pas mettre moins de... Pas plus de euros pour un tube parce que ça va un tube occasionnel. Je vais justement en revenir après. Euh... Et au final, j'avoue que j'ai accroché vachement bien avec ce tube-là. Que ce soit par le design, même si on va venir revoir après, le design, c'est une copie du mode déjà vu que je vous ai déjà présenté. Euh... Qui était pété. Pété dans le sens qu'il ne fonctionnait pas. Si j'étais pas content de ce tube-là, ce tube etc. Et heureusement que je ne l'avais pas acheté. Alors, ce petit mode Arkless, euh, ça fait peut-être maintenant deux semaines que je le possède, euh, j'ai pu le découvrir sous ces différents angles, que ça soit de l'angle positif comme de l'angle négatif. Et pour une fois, ça va être un angle négatif, et en, en, en parlant sur Snapchat, Facebook, même sur des forums, etc., beaucoup de personnes m'ont rejoint sur une chose, le Switch. On viendra en parler juste avant, on va d'abord venir parler de ce tube. Alors déjà, pour vous le présenter, le tube Arcless, bon, il ressemble à ça, grosso modo tube assez simple, hein. j'ai mis le fatality M25 parce que justement on est sur un diamètre de 25, et euh, cette petite courbe, alors on va attendre qu'il refasse un focus, vous voyez la petite courbe qui est juste là, l'ato vient se poser directement dessus et c'est assez flush. C'est aussi une particularité que j'aimais bien, ça faisait pas un, un millimètre d'écart ou autre, c'était du vrai 25 mm. Au niveau euh, matos, on est sur des accus possibilités en 1850, 2700, 21700. Moi qui ai un gros friand de 2700 et 21700, c'était un tube qu'il me fallait automatiquement. Au niveau du matos, on est sur du laiton à l'intérieur, au moins comme ça c'est bon. On est sur un 510 hybride et on a des joints, alors des joints, non, on a des ressorts, vu qu'on est sur un, un pin, ce ressort tout simplement, euh, pour le switch. Alors, le, le switch, ma voix est partie dans, dans les aigus. Le switch, on va venir le dévisser. Hop. Donc, le switch, on va le poser de côté. Également, une plus petite particularité par rapport à ce Arcless, c'est que vous voyez sur le côté, on a euh, différentes protections, entre, gui entre guillemets, différents skins. Donc, on a juste à retirer la partie qui est là. On possédera du coup deux joints centriques qui sont juste là. Et cette partie-ci, on pourra la changer. Alors, mis à part sur les groupes de Chine, euh, sur les groupes de Chine, bah, tout ce qui est fast tech ou autre, euh, parce qu'on peut le faire également en en stacked, euh, j'en ai pas trouvé en pièce à part. C'est vrai que j'aurais bien voulu trouver uniquement la pièce là à quelques dollars, mais en frais de port ça aurait été douillé. Là du coup, je pense que pour une vingtaine de dollars, euh, on... on peut avoir la partie, euh, la partie pour faire un stacked directement dessus. Chose positive qui nous disent directement euh, dans le packaging, ça veut dire que hop. On va venir l'ouvrir. Packaging très simple, hein, sincèrement. Hop, on a une notice. Et justement, cette notice va me faire grincer des dents. C'est un américain qui l'a fait. Alors, c'est en collab avec un américain. Voici à quoi ressemble la notice. Ça veut dire que on a les infos par rapport au tube, c'est-à-dire hauteur, diamètre, etc. En stacked, comment est-ce qu'on doit mettre le sens des piles. On a des infos par rapport à l'ampère, etc. On a également un par un... une protection par rapport aux pins. De la pile et au pin de l'atomiseur, mais également comment calculer sa puissance. D'accord, ça c'est nickel, il n'y a pas de souci. Par contre, dans la boîte, et c'est le moment où moi ça m'a fait grincer des dents parce que j'ai quand même passé un peu plus de deux heures à regarder sur les forums, c'est ce petit sachet. Alors, justement, ce sachet, je vous en parlais, euh, on possède à l'intérieur du coup. Qu'est-ce qu'on possède on possède un autre switch. Voilà. D'un autre coloris. Qui est lui par contre transparent. Il n'y aura pas le focus. On possède, euh, si on suit la logique, parce que ce n'est pas indiqué dans la notice, on reçoit en plus deux ressorts. Un plus petit, un plus grand. Voilà. Déduction, on peut changer le switch. Deux joints également. Et un petit pin. Voilà. Alors, si tu regardes sur les forums français, sauf que moi je n'apprécie pas regarder euh, certains youtubeurs français, donc du coup je switch automatiquement sur l'américain. Euh, les américains expliquent très bien que c'est pas indiqué sur la notice, que ça aurait dû être indiqué, même le système de switch. Je vais m'expliquer. Au bout de quelques semaines, c'est-à-dire au bout, même pas au bout de 5-6 jours, le switch qui est là, celui de base, il a commencé à se dévisser. Et du coup, à chaque fois, il bloquait, il se dévissait, il se revissait. Et je comprenais jamais comment faire. Et en fait, c'est assez bête. Pour changer le switch, c'est très simple. Mais il faut le savoir. Je vais te faire un zoom, tu vas mieux comprendre. Tu vois, tu as, as le switch. Et en fait, là où il y a mon doigt, tu as deux ancrages. Un qui est là, un qui est là. Tu prends une pince. Et tu as juste besoin de le dévisser. Et tu auras accès justement au switch. Et le petit pôle positif, bah, le petit pôle qui est fourni en plus dans la boîte, tu pourras le changer. Et le petit, euh, le petit filetage en, en, photo, en forme de tournevis plat te permettra justement de le visser. C'est juste qu'il s'était dévissé en fait. Voilà. C'est tout simple. Et du coup, tu pourrais également changer les ressorts. Ça, c'est autre chose. Mais c'est également beaucoup plus pratique de changer les ressorts. J'ai mis le ressort le plus bas, entre guillemets, oui, c'est ça. Et on voit une différence un peu plus lourd. Il enfin, faut forcer un peu plus sur le switch, mais c'est un truc que je. J'apprécie, j'aime bien ce switch là. Après, au niveau du skin du switch, bon, ça passe. Hein, euh, en full black, le switch est vraiment nickel. Au niveau réactivité, bon, ça reste quelque chose. Ça reste un tube vraiment nickel comparé au mode déjà vu. Certes, c'est une copie, mais il est quand même très bien réalisé. Et il est surtout beaucoup plus réactif euh, que le mode déjà vu. Alors, est-ce que je suis déçu, pas déçu, etc. Tu connais la routine. Le tube au final est très bien. Mais sérieux, il est très bien. Grosso modo, 65 balles sur Internet. Grosso modo, au plus cher hein, évidemment. Avec le Fatality, nickel. Avec le Zeus, nickel. Euh, en 21 700, il fait quand même un tout petit peu son poids, mais bon, c'est pas c'est pas ce qui est le plus dramatique. Euh, ça marche très très bien. Je, je peux pas te dire le contraire. Le, ce tube, il est nickel. Pas cher, esthétique. Oui, faut accrocher quand même. Euh, L'inconvénient, voilà, comme je t'avais dit, c'est le sleeve. Le sleeve, vrai, je trouve ça vraiment dommage, même sur les sites français, euh, justement, qui ne le vendent pas à part. Après, je ne sais pas pourquoi, mais tu l'auras en version stacked. Voilà, si tu veux si tu veux le sleeve, tu l'auras en version stacked. Sur euh, FastTech ou 3FVAP ou des choses comme ça, tu l'auras très facilement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce tube. Euh, ça marche plutôt bien, c'est mon petit dada. Et euh, ça marche. T'appuies, c'est réactif, c'est nickel, tout ce que j'attendais. Ça marche du feu de dieu. Encore une bonne, une bonne petite chose. Et Ambition de vapeur, il a pas fait, il n'avait pas fait que ça comme matos, euh, mais là, je trouvais ça plutôt très bien. Donc bon, vraiment nickel. Euh, vous avez également un adaptateur 1850 qui est fourni dans la boîte. Ça, je voulais pas parler parce que je, je n'utilise jamais de mode mécanes 1850, mais vous avez un un sleeve qui est, qui est fourni en 1850, mais ben, un adaptateur plutôt. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce petit mode Méca, n'hésitez surtout pas. Euh, je pense que en version Méca, je ne suis pas le meilleur connaisseur au monde, hein, mais je pourrais répondre quand même à quelques questions. Euh, je vous fais des tous, des très gros bisous. Amour, gloire, beauté, prospérité. Faites l'amour, pas la guerre. On se retrouvera Du coup, pour d'autres vidéos, incessamment soupe, évidemment. Et puis, bah, à très bientôt, pour une autre vidéo. C'était Théo. À très bientôt. Je sais pas pourquoi je viens de faire ça, mais j'avais envie de faire ça. Ça fait longtemps. Et le fatality. Vous me posez encore des questions par rapport à Stato. Il est très bien, très très bien. Et euh, vous me demandez les coils que je mets dedans. Ouais, sur, sur Snap, vous me demandez beaucoup de fois ça. Euh, les coils que je mets dedans, c'est les coils français. Alors, ça vient de chez, le, c'est Levesque qui les fait ramener. Enfin, tout le tralala quoi. Et je me suis acheté une paire d'aliens. Ça fait trois mois que c'est dedans. Euh, je lui fais bouffer du Questar, du fruité, etc. Je le, euh, je le dry burn et il est reparti. Trois mois dedans. C'est nickel. Je crois que c'est 12 12 13 balles la paire. C'est nickel. Et je tombe à 0.20. Euh non, 0.20 0.18 un truc comme ça. C'est nickel.